Jeudi soir, au Gosier, l'association Les Amis de Zévalos clôturait l'événement Histoire en Graphe qui se déroulait au domaine de Zévalos à l'occasion de la Journée européenne du patrimoine. Nous sommes sur le site de Zévalos et nous avons voulu mettre en avant la culture, le patrimoine culturel et en même temps la peinture contemporaine, on va dire, avec ces graffeurs, ces merveilleux graffeurs qui nous ont réalisé une fresque extraordinaire sur le patrimoine avec le thème de l'esclavage, de la sucrerie, des Amérindiens. Nous avons vraiment quelque chose de formidable que j'invite les gens à venir voir à Zévalos. En étant parrain d'un événement pareil, pour moi, c'est important puisque à l'heure actuelle, après avoir exposé un peu partout dans le monde, il est temps pour moi de revenir dans mon pays et de transmettre aux jeunes tout ce que un peu j'ai appris pendant 30 ans. Et avec l'art contemporain, aussi bien l'histoire et que l'art aussi sert d'engagement aussi dans la vie. Dion était aussi pour l'association de sensibiliser tout à chacun sur la préservation du patrimoine guadeloupéen. Nous pensons donner à d'autres des idées parce que le patrimoine aux Antilles est en péril. Donc nous voulons absolument que les gens se focalisent sur certains endroits, puissent réfléchir, que les jeunes prennent en main tout ce patrimoine puisque on ne peut pas avancer si on n'a pas de passé. Notez que les œuvres de Chokwan sont visibles tout au long de l'année à la Galerie Nomade.